Coucou à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vous dis tout de suite qu'en faisant le montage de cette vidéo, qu'est-ce que j'avais honte de vous montrer ça, mais il le fallait. Il fallait vraiment que je vous le montre parce que c'est tout simplement grâce à ce genre de vidéo que je me suis dit non, 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 il faut que j'aille nettoyer la mienne. Que j'ai eu vraiment le courage de nettoyer ma voiture. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous motivera également à faire votre nettoyage de voiture. Faut savoir que moi la voiture je l'utilise tout le temps pour aller travailler, pour aller en course, pour aller me promener. J'utilise vraiment la voiture tout le temps. Et moi et mes petits cœurs, on a foutu trop de bazar dans la voiture. Je vous assure que à chaque fois je repoussais le nettoyage de la voiture, mais l'état était juste pas possible. Donc pour commencer le nettoyage, je vais le faire en trois étapes. La première étape, ça va être le côté conducteur et le côté passager. Ensuite je vais passer au siège arrière, du côté arrière, et après je vais finir avec le coffre. J'ai acheté aussi quelques matériels de rangement chez Lidl. Je vous montrerai ce que ça donne. C'est vraiment super génial. C'est parti. Donc pour le nettoyage, j'ai prévu des microfibres, des sacs poubelles. J'ai prévu également un sac pour mettre tous les produits que j'ai dans la voiture et que je ne descends jamais de la voiture. Donc pour, on va dire, un petit hashtag désencombrement de la voiture. J'aurai aussi besoin de l'eau. J'aurai besoin d'un peu de vinaigre blanc. Et j'aurai besoin d'un produit à vitre. Je vais m'aider de ce petit mélange qui se trouve dans cette petite bassine. Ça sera de l'eau, un peu de vinaigre blanc et un peu de bicarbonate de soude. Ce mélange, pour moi, ça marche super bien. Des fois, je rajoute un tout petit peu de savon de Marseille, mais là, j'avais pas envie, donc j'ai fait ça comme ça. Là, je suis également aidée par mes petits loulous qui sont autour de moi et qui m'aident à vider la voiture.
Nous avons terminé notre première partie, donc qui était le côté conducteur et le côté passager. Nous allons maintenant passer au côté arrière, donc à la banquette arrière. Et là, je sais que je vais découvrir plein de surprises. Là, déjà, les enfants m'ont montré plein. En fait, c'était, j'ai envie de vous dire, un coffre à jouer. Je vais vous laisser découvrir. J'ai une petite poubelle de la marque Dunlop que j'avais acheté chez Action, je pense aux alentours de 4 €, un truc de ce genre. Donc normalement les enfants sont censés mettre leurs déchets dans la poubelle, mais je pense que la poubelle n'est pas assez grande parce que dans tous les recoins de la voiture, dans toutes les poches de la voiture, il y avait toujours d'emballage, de gâteaux, de Kinder, des épluchures d'orange. Il y avait de tout en fait. Je n'ai pas l'aspirateur le plus performant du monde, mais bon, il fait son boulot quand même. Je vais l'utiliser jusqu'à l'épuiser et après je changerai. Parce que celui-là, je l'ai eu dans les offres de chez But. Je pense, je ne sais plus le prix, mais c'était pas très très cher. Mais en même temps, voilà, il fait ce qu'il peut. Voilà. Je veux m'aider de ce produit-là que j'avais acheté chez Carrefour. C'était aussi en promotion chez Carrefour. C'est un produit qui est doté d'une brosse. C'est spécial tissu parce que, sans surprise, il y avait des boissons qui ont coulé sur les fauteuils. Donc, il fallait que je détache un tout petit peu ça. Voilà, une fois que l'avant est fini, la partie 2 aussi est terminée. Vous allez voir, j'ai mis des petits sopalins, des espèces de sopalins dans le trou approprié pour mettre les boissons. Parce que ça va me faire un gain de temps. À chaque fois que ça sera ça, je changerai au lieu de le laisser comme ça. Parce que c'était beaucoup plus laborieux à nettoyer. Donc là, j'ai fini l'entière de la voiture. Je vais passer au coffre et je vais vous montrer ce que ça donne les petites trouvailles que j'ai eues chez Lidl pour le rangement du coffre. C'est un tapis que j'ai acheté chez Lidl qui coûtait 4,99 € je pense, et un sac où je peux tout mettre. Donc moi, ce sac, je le vois bien soit mettre tous les nettoyants de la voiture ou soit faire comme un sac de secours parce que j'ai toujours un sac dans mon coffre en fait où je mets un gâteau, je mets un plaid, je mets un briquet, en fait des trucs de secours quoi, au cas où un jour je suis embêtée avec la voiture et que je ne peux pas me déplacer, qu'il fait froid, j'aurai toujours un plaid. En tout cas, j'aime bien des petits sacs comme ça. Pour l'instant, je vais pas beaucoup le remplir, j'ai mis des produits juste pour vous montrer, mais je vais réfléchir pour voir ce que je pourrais faire après. Donc voilà le résultat, ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a motivé et que vous allez nettoyer aussi vos voitures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.